Hey, bonjour à tous, on se retrouve pour ce troisième épisode de Skywalk. Donc, en votre absence, j'ai juste vite fait planter les arbres, planter du blé, j'ai redonné à manger aux poules. Et niveau œufs, on est blindé, donc il faut aller vendre. Donc, c'est parti, on va aller vendre tout ça à la bakerie. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va vendre tout, on va pas s'enquiquiner plus longtemps. Bon, bah, du coup, on retourne à la maison. On va regarder ce qu'il faut pour débloquer la prochaine île, quoi. Alors, on va essayer de débloquer encore deux îles dans cette partie. Hein, comme la dernière fois. Ça sera plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? Alors, lande d'extension. Ah bon, on a assez de tout. Donc, hop, on achète. Et là, pour répandre, donc il faut 10 de fer. Et 100 en argent, on a. Là, pour l'upgrade. Et eh ben on peut upgrade déjà. Ah bah. Là aussi on peut upgrade. Donc on a upgrade ça à fond la première île. Donc, on va aller reminer du fer du coup. Parce qu'il va nous en manquer cruellement là. On va se ramasser un peu de pierre parce qu'on n'en a plus du tout. Et je sais pas si ça peut nous servir. Donc hop, on va prendre les prévisions. Parce que je vous avoue que je ne connais pas par cœur les trucs. J'y ai joué une fois avant de faire le let's play là-dessus, quoi. Mais honnêtement, je retiens pas ce genre de choses. Hein. Hop, alors on va casser tout ça. Bon, faut savoir que prochainement, je sais pas quand, il y aura sûrement une série Skyblock qui arrivera Minecraft. Là, actuellement, Yaya est toujours absent, donc je ne sais pas jusque quand il sera absent. Donc, niveau planning, c'est un peu compliqué pour moi de gérer. Donc d'où le fait que j'ai fait cette petite série parce que bah je sais pas combien de temps ça va durer son absence et bah ça allait être beaucoup plus court que faire un Skyblock Minecraft parce qu'un Skyblock Minecraft ça va nous prendre des mois à le faire. Pour le faire en let's play suivi. Donc j'ai préféré faire ça. Mais si vous avez des idées de petits jeux Roblox qu'on peut faire en suivi, en épisode suivi, je suis preneuse. J'adore Roblox mais jusqu'à aujourd'hui j'ai pas vraiment trouvé de jeu où je puisse faire une aventure suivie et qui varie vraiment le gameplay à part Mad City où je vous montre un peu toutes les facettes du jeu. Mais j'avoue que sur un autre jeu Roblox, pour le moment, j'ai rien trouvé de concret. Je sais qu'il y a des MMO, tout ça, mais le truc, c'est que la plupart des jeux sont en anglais. Donc logique, vous allez me dire, c'est la langue internationale quand même. Mais moi, parlant très peu l'anglais, c'est compliqué pour moi de faire un MMO pur anglais sans comprendre ce que je vois, quoi. Parce qu'il y a des mots que je vais comprendre, mais il y a certains termes que je comprendrai pas du tout. Et enfin, clairement, à let's play, ça sera horrible à voir, quoi. Donc, si vous avez des petits trucs dans ce style à me proposer, je suis preneuse. Là, le mois prochain, je vais vous présenter un peu tout ce qui est simulateur, tout ça, Roblox. Sûrement des escapes. Ça, je vais pouvoir en faire avec les abonnés des vidéos sur Roblox, donc c'est plutôt cool. Et si Yaya est de retour, bah Yaya, bien évidemment. Hein. Donc, tout dépendra de quand Yaya fera son retour. Alors, est-ce qu'il y a encore du fer? Yes, il y en a encore là. On va s'en ramasser parce que vraiment le fer, on va en avoir besoin à chaque upgrade maintenant. Donc, on va pas hésiter à en ramasser. Ça sera important. Mais voilà, c'est vraiment un jeu en mode tranquillou là. Vraiment, il n'y a pas à se prendre la tête dessus. Alors, on va aller ramasser les œufs tant qu'on y est. Hop. Et au fait, j'ai remarqué un truc en lançant l'épisode là. Quand on appuie sur I, vous voyez, ça zoome et on a vu de la première personne et tout. J'ai trouvé ça classe. J'ai trouvé ça classe, regardez, on peut être à la première personne dans le jeu. Bon, l'item, comme on le voit en main, c'est un peu moche, on va pas se mentir. Mais je trouve que c'est pas mal pour quelqu'un qui préfère être à la première personne. Bon, et vous appuyez sur O pour dézoomer, quoi. Bon, moi, je préfère être comme ça, franchement, parce que le fait de voir le bâton, ça me dérange. En première personne, de le voir comme ça. Alors, on va mettre des graines. On va replanter tout ça. Parce qu'il faut pas déconner, les poulets, on en aura besoin encore pas mal. Alors, on a encore de l'argent, c'est pas un souci, les amis, mais on va anticiper les choses. Parce que vous allez voir que les améliorations futures coûteront cher. Hop, allez, on pose tout ça. Hop. Ah, on a atteint le max. Alors, on va aller voir les upgrades. C'est parti. Alors. Donc on va acheter l'autre île. Voilà. On la débloque. Voilà. Donc là, on a assez.
On n'a pas assez de fer, mais ça, c'est celle qu'on upgradera plus tard. J'ai envie d'aller tester. Alors, honnêtement. Donc là, vous avez vu, l'île ici, c'est pour la pierre. L'île là-bas, c'est pour le fer. Donc là, il faut prendre la corde pour pouvoir monter. Tac, 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 tac. Vous voyez? Ici, on voit que notre pioche est améliorée. Vous voyez? Elle est au level 3, la pickaxe. Et ce qui revient à la diamond pickaxe. Et là, en fait, on a des mobs qui spawnent ici. J'ai jamais réussi à les tuer. Donc, 3 trophies par kill. Crimson Sword. Donc, mob trophy, 4. Je crois qu'il y a 4 types de mobs, du coup. Un truc comme ça. J'ai jamais réussi à survivre dedans. Je tape avec mon épée, ça fait rien. Donc je sais pas. Voilà, vous voyez, je suis morte. Je sais pas trop comment ça fonctionne en vrai. J'ai essayé de comprendre plusieurs fois. Je suis morte à plusieurs reprises. Et je vous avoue que je n'y comprends rien. Parce que. Vous voyez, peu importe le clic que je fais avec mon épée, ça fait rien. On voit que j'ai fait perdre de la vie en fantôme. Et vous voyez, il me tue systématiquement. Où... Là, je l'ai tué, il m'a tué en même temps. Je comprends pas trop comment faire pour survivre, en fait. Ou alors, il faut pas qu'il me touche. Je sais pas trop. J'arrive pas à savoir. Comment il faut faire? Je vous avoue que je clique sur les deux clics souris en même temps. Je recule pour éviter qu'il me fasse des dégâts. Ah, je l'ai tué. Oh, bah, GG les gens, j'ai réussi à le tuer. Bon, moi, je vais pas avoir beaucoup de vie, à mon avis. Donc là, le grade qu'on a fait, la suivante, c'est celle-ci. C'est tout simplement la maison. Donc, vous voyez, il y a un décor et tout. Enfin, et je trouve ça extra. Celui qui a développé le jeu, c'est. Bon, là, vous voyez, la porte ne s'ouvre pas, mais bon. Pour un petit jeu Roblox, honnêtement, la personne a très bien fait. Parce que regardez, tout est modélisé, les tables, les chaises. Et regardez, on peut même s'asseoir. Enfin, je trouve ça vraiment classe. Donc là, vous voyez la chambre à coucher, par exemple. Je trouve que c'est vraiment pas mal travaillé. Là, pareil, vous voyez, on a un salon avec une télé et tout. Enfin, je trouve ça vraiment top. Pour un petit jeu Roblox, vous voyez. Hop, donc c'est vraiment top. Donc on va redescendre. Ah, on va tenter de se tuer l'araignée, peut-être. Ah, on va attendre. Ma vie est en train de régénérer. Vous voyez la barre verte? Là, ici. La barre verte, c'est notre vie. Hop. Alors, on va aller s'occuper des poulets. Touc. Et on va aller tuer l'araignée après. On va essayer de se tuer une araignée. On va essayer de voir comment ça fonctionne et tout, les amis. Hop. Ensuite, on va récupérer pas mal d'argent parce qu'il va falloir qu'on se refasse pas mal d'oseille pour la prochaine. Et je crois que la prochaine. Le prochain épisode sera le dernier, je pense. Dans mes souvenirs, il reste pas tant d'îles que ça à débloquer. Ah, j'ai plus de foin sur moi. Bah, si j'en ai 10, pourquoi ça veut pas se remplir? Ah, ça y est. Hop, hop. Hop, on va farm un petit peu les gens pour anticiper pour le prochain épisode parce que il va nous falloir pas mal de choses pour pouvoir se faire de la monnaie. Hop, allez, l'eau. On va reprendre tout ça. Hop, hop. Et je sais pas ce que j'ai obtenu en tuant le fantôme. Est-ce qu'on a obtenu de l'argent en plus? J'ai pas fait attention à mon nombre de cash avant et après l'avoir tué en vrai. J'aurais dû. J'aurais dû regarder. Hop, hop. Allez, viens là, toi. Allez, Coco. Alors, on a 21 de ça. Bon, écoutez, on va se casser quelques arbres, histoire d'attendre que les poulets pondent un peu encore. Et ça nous fera toujours un peu de cash en plus. Hop. Voilà, on va farmer un petit peu, parce que l'air de rien, c'est un petit peu ça aussi le principe du skyblock, hein, c'est le farming. Donc on va se faire ça tranquillement. Hop, voilà. Tranquille ou pépère, en mode posé les gens. Hop, allez. Je pense pas, le bois on n'en aura pas encore besoin, on n'en aura plus besoin les gens. Je le récupère juste pour pouvoir vendre quelque chose quoi. Et on va aller se revendre tout ça après. Le blé, les œufs, le... Tout, un peu de tout, sauf le fer, parce que le fer, on en a besoin de plus, justement. Donc, on va essayer, voilà, de farmer un peu l'argent. J'aimerais bien avoir au moins 600 ou 700 avant la fin de l'EP, histoire de revoir ce qu'il faut pour le prochain épisode. Oups, le bois est tombé comme il fallait pas.
On essaie de casser de ce sens-là pour qu'il tombe bien. Et il y a quelqu'un qui vient sur notre plot et le bois est tombé du mauvais côté. Hey mec, qu'est-ce que tu fous sur ma propriété? Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? J'ai l'impression qu'il me manquiquiner la vie là, non? Le mec. Bon. Hop! On sait pas qui c'est. Je ne le connais pas. Il fait pas partie des abos. Je ne sais pas. Moi, ne pas comprendre les gens. Alors. Hop là. Allez, go. C'est plutôt cool. Donc le mec, je sais pas ce qu'il fout sur la propriété, mais il est là. Écoutez, on laisse se promener. S'il croit qu'il peut nous tuer, bah normalement non. On peut pas s'entretuer. On avait déjà testé avec les copains la dernière fois. Hop. Allez, cool. On va vraiment se casser tout le bois, histoire. Bon, tout. Non. Ah, on peut avoir max 40, les gens, vous avez vu. On a augmenté. C'était à 32, dernier épisode. Ici, et là, on voit que c'est 40. C'est cool. Je sais pas ce qu'il vient faire là, lui, mais. J'aime pas les gens qui se promènent comme ça. Hop. Ah, nice, on va récupérer tout le bois. Tout n'est pas tombé, du coup, pour une fois. C'est plutôt que. Et faut que j'arrête de les mettre près de la bordure, c'est ça aussi le défaut que j'ai. J'espère vraiment qu'un jour il y aura une upgrade sur ce jeu parce que enfin, j'adore le concept. Et ouais, ça fait vraiment beaucoup penser à Minecraft. Les Skyblock Minecraft, ça demande beaucoup plus de temps, les gens. Parce que hors caméra, faut vraiment tout faire, farmer la pierre et tout pour améliorer les plateformes, farmer le bois. Enfin, c'est vraiment un travail monstre, les Skyblock. Et là, à l'heure actuelle, avec tout ce qu'il y a sur la chaîne, je peux pas gérer un Skyblock tout de suite. Mais ça viendra dans le. Plus tard, ça viendra. Il y aura toujours du Minecraft sur la chaîne, quoi qu'il arrive. Mais là, franchement, on est déjà à une vidéo par jour minimum. Donc, on va essayer de maintenir déjà une vidéo, ce sera pas mal. Déjà. Normalement, là, il y a pas mal de séries qui vont. Pour le mois de mai, je pense qu'il y a certaines séries qui seront terminées fin mai, quoi. Donc, il y aura peut-être moyen de d'avoir autre chose. Comment tu détruis. Bah, je comprends pas. Je suis pas anglaise, mec. Comment tu détruis? Bah, je sais pas comment lui répondre. Je vois ce qu'il veut dire, mais. Mais, mec, je peux pas te répondre. Je suis French. Le gars croit que je suis anglaise, vous avez vu? Lol. Hop, allez. Allez, hello, hello, hello. T'en vas pas à l'arbre. Reste avec moi, s'il te plaît. Ne pars pas dans les profondeurs des abysses. Je veux te garder. Ah bon, on est déjà à 40. Hop, hop, hop. Et à chaque fois, ouais, faut bien appuyer sur Shift et tout. Mais le mec, il peut pas dégager là, le d'enquiquiner son monde. Je vais lui dire. Voilà, comme ça la retraite nous a kikiné. Hop, alors on va vendre tout ce qu'on a, les gens. Oh ouais, on s'est refait pas mal de cash. Oh, je suis ravie. On va aller vendre le bois qui est là-bas. Oups, elle s'est assise. C'est pas le moment de niaiser, hello. 3 de pierre. On va aller les vendre aussi, allez. Oh non, ce sera refait pas mal de gold. Bah écoutez, je pense pas que l'épisode va durer très très longtemps en vrai, mais. Ah si, il faut qu'on aille farmer du fer, attendez. C'est vrai. Eh. Hop. Voilà, on a tout vendu, comme ça on a pas mal de cash. Ouais, c'est plutôt cool. Hop. Allez, mon plot est là-bas. On y va, on y va. J'espère qu'il sera parti, lui, parce que je sais pas ce qu'il a avec moi, mais. Laisse-moi tranquille, quoi. Il a l'air d'être parti. On va ramasser ça, histoire de pouvoir redonner à manger au poulet. Hop. Eh, porte-moi des graines. Là, allez.
Ah, j'adore. Et c'est vraiment la musique qui me fait kiffer. Elle est toute douce et tout. Ah, on atteint la limite. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, les gens. On fermera au prochain épisode le fer qu'il nous faudra, écoutez. Voilà, je pense qu'il nous reste 2 îles max à débloquer. Donc voilà. Je vais vous laisser ici pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à donner voilà, vos avis pour une prochaine série suivie Roblox. Je vous fais des bisous les amis. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.